Sous un tonnerre d'applaudissements, je vous prie d'accueillir l'avocat de l'accusation, maître Francis Triboulet. J'eus dans ma blonde enfance, hélas trop éphémère, 3 mètres. Un jardin, un vieux prêtre, le clerc. Le jardin était grand, profond, mystérieux, fermé par de hauts murs aux regards curieux. Le prêtre, tout nourri de Tacite et d'Homère, était un doux vieillard. Le clerc était Henri Leclerc. Victor Hugo aussi. Mesdames et messieurs de la cour, j'ai eu pour muse Henri Leclerc, du temps où j'étais avocat, avant de choisir cette noble fonction qui est aujourd'hui la même, la mienne, celle d'accusateur public pour le compte de la FFDE. J'ai renoncé à ce métier d'avocat parce qu'à cause de ma muse, je me suis trouvé face à un dilemme impossible. Soit j'essayais d'être Leclerc et je ne pouvais pas être Leclerc. Et en essayant d'être Leclerc, je n'étais plus tout à fait moi-même. Leclerc fut une muse terrible, destructrice. Alors aujourd'hui, il faut commencer par écarter les malentendus. Premier malentendu, d'abord, c'est que je pensais que ce procès allait se tenir en face à la faculté de droit, et je me suis trompé. Heureusement, j'ai vu un petit attroupement devant l'entrée du Panthéon, et j'ai réalisé que c'était ici que ce procès allait se tenir. Et deuxième malentendu, c'est bien évidemment pas la muse, aujourd'hui, que nous jugeons. Ce n'est pas contre la muse que nous portons cette accusation légitime, mais contre les abuseurs de muses. Ça n'a pas de sens de vouloir condamner la muse. La muse, l'égérie, c'est la personne qui inspire ou conduit une autre personne à se montrer créative. Donc il faut bien cibler l'accusation ce soir. C'est évidemment pas cette muse que nous voulons voir condamner et que vous allez condamner, Madame le Président. Mesdames et messieurs de la Cour, nous allons ce soir juger donc les abuseurs de muses, mais nous allons quand même juger les 9 filles de Zeus dont on a un peu parlé. Monsieur l'avocat junior, nous n'éludons pas la question. Ces 9 musettes, ces 9 musettes dont vous avez appris le nom par cœur, il y avait à l'époque où on enseignait les muses un moyen mémotechnique de se souvenir de leur nom, Clam, Eugénie ta mélodie, terrible et polonaise, euphonie calculée. Vous les avez apprises par cœur. Félicitations. J'ai même pas pu apprendre par cœur, moi, ce moyen mémotechnique. Il faut que je le lise. Alors, ces 9 muses, voyez-vous, je les ai rencontrées. Je les ai rencontrées parce que, avant de venir ici porter l'accusation contre elles, je voulais les connaître un peu mieux. Ça fait pas mal de siècles qu'on parle d'elle, et je dois vous dire que dans l'intimité de mon bureau de procureur, je n'ai pas été subjugué par ces femelles. Calliope, celle qui a une belle voix, son domaine d'intervention, c'est la poésie épique. Très bien. Clio, qui est célèbre, Clio,
Son domaine, c'est l'histoire, si, sympathique jeune fille qui est venue en voiture jusqu'à mon bureau. Erato, l'aimable, son domaine, la poésie lyrique et l'érotisme. Alors celle-là, effectivement, une muse un peu différente des autres, un peu plus glamour, je discutais avec elle, à un moment donné, je me suis un peu laissé aller et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Madame, si ma robe de procureur était de bronze, vous entendriez sonner le tocsin. » Le lendemain, elle me balançait sur MeToo, balance ton porc, etc. On ne peut plus rien dire aujourd'hui. Je la retiens, celle-ci. Je la retiens. Euterpe, la toute réjouissante, son domaine la musique. Melpomène, la chanteuse, tragédie et chant, son domaine de prédilection. Polymnie, la rhétorique et l'éloquence. Je crois que c'est la muse préférée de l'avocat Le Borgne. Polymnie, il nous en parlera certainement. Après, cette muse qui a un nom impossible, Terpsichore, la danseuse de charme, son domaine la danse. Ensuite, il y a Thalie, la florissante, l'abondante, son domaine la comédie. Uranie, la céleste, son domaine l'astronomie. Bien. Ces muses-là, je vais vous dire, elles ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps et... il faut les condamner. Il faut les condamner parce qu'elles ne servent plus à rien, elles sont usées. On ne les enseigne plus. Lorsqu'un procès comme celui-là est organisé, il faut fouiller pour retrouver leur nom et elles ne nous intéressent plus beaucoup. Et puis, ces médiatrices imposées entre le créateur, je veux dire l'artiste créateur et le créateur, elles n'ont plus de sens aujourd'hui. On est dans une civilisation de l'instant, de la rapidité. On va directement vers le fournisseur. C'est celle du particulier à particulier, du particulier à divinité, sans passer par la muse. Plus besoin de la muse pour avoir accès à celui qui est au-dessus de nous. Elles sont inutiles. Vous les condamnerez. J'aurais pu, dans mon cabinet, enfin dans mon bureau, leur faire un rappel à la loi, mais... cela aurait fait que Maître Le Borgne n'aurait plus de fonction ce soir. Alors, j'ai entendu qu'il y a un commencement de reconnaissance de culpabilité, parce que c'est une possibilité aussi, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Bien. Je vous disais, pour commencer mon propos, que j'avais personnellement subi ma muse professionnelle. Voyez-vous, ces 9 muses, pour se défendre, j'imagine, mais cela sera confirmé, elles sont allées à l'Ordre des avocats de Paris pour demander un avocat. Et elles ont certainement dit, vu la force de l'accusation que nous anticipons, il nous faut le meilleur d'entre tous. Et l'une d'entre elles a certainement dit, oui, celui qui a le plus bel organe du palais. Alors évidemment, la préposée derrière son bureau à l'Ordre des avocats, a immédiatement pensé à Jean-Yves Le Borgne. Jean-Yves Le Borgne est incontestablement l'avocat qui est doté de l'organe le plus impressionnant du palais. Jean-Yves Le Borgne, un ténor avec une voix de stentor, au service de manière raffinée, toujours délicate, jamais un butor, toujours un mentor. Voilà, Jean-Yves Le Borgne. Mais prenez garde, parce que cet avocat possède l'immense avantage d'inspirer l'amour par la gentillesse de ses manières. Mais sous son exquise politesse, sous son calme affecté, il y a une violence inouïe. Prenez garde donc, l'exquise politesse de ses manières adoucit si bien la tournure malicieuse de ses idées qu'on ne peut jamais l'accuser de méchanceté. On est subjugué par l'admirable éloquence sortie bouillante du cœur et de l'âme de cet avocat. Mais méfions-nous de ces orateurs pervers qui suscitent une telle admiration qu'elle empêche toute réflexion.
l'admirateur, l'orateur hors pair, a cette faculté exceptionnelle de vous emmener dans son discours et, à l'issue de sa plaidoirie, on ne comprend qu'une chose, on ne réalise qu'une chose, c'est que la chose qu'il a voulu vous jeter dans la tête y est bien présente. La force de séduction de ces avocats, ils sont très peu nombreux, mais d'un Jean-Yves Le Borgne, c'est qu'il vous prend par la main, vous promène et vous emmène là où exactement il veut vous faire tenir. Et sa puissance séductrice fait que votre cerveau abolit tout discernement et qu'en réalité, vous êtes devenu sa proie. Vous ne pouvez plus raisonner. Vous êtes porté. Vous allez vivre cette expérience tout à l'heure. Je ne vous mets aucune pression, monsieur le bâtonnier. Vous allez vivre cette expérience extraordinaire, unique. Et ils sont très rares, les orateurs, à pouvoir faire cela. Henri Leclerc était parmi ceux-là. Combien de fois j'ai assisté à des audiences en compagnie de celui qui était mon patron puis mon associé, et je me disais, le stylo à la main, ce coup-ci, je vais écrire mot à mot toute sa plaidoirie, et au bout de quelques instants, je laissais tomber mon stylo parce que j'étais emporté. J'étais emporté comme le reste de l'assistance. Alors, attention. Attention. Cet homme va faire mine de vous convier dans l'Empyrée, cette sphère céleste où habitent les dieux. Mais ne soyez pas dupes. C'est un mirage, une tromperie. Résistez à cette sirène. Et je vous donnerai un moyen tout à l'heure. Vous, le jury, pour résister à cette secousse tellurique que vous allez subir. De mon côté, je demanderai peut-être à ce qu'on m'attache et qu'on me bâillonne pour m'empêcher de dire à cet homme tout le bonheur qu'il me verse par flots, les flots de son éloquence pure depuis tant d'années, cette éloquence entière, grande et pleine. C'est bien simple, en l'écoutant plaider, je suis certain que je vais sentir en moi ce mouvement d'inspiration qui met le poète au-dessus de l'humanité. Même quand il aura fini de plaider, vous verrez que le silence est encore de Le Borgne. Mais je suis un homme méchant. Je suis un homme méchant et surtout je suis investi d'une mission ce soir. Je suis méchant. Sachez par exemple que l'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua mon talon. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva. Mon mentor, maintenant que je suis procureur, c'est Ernest Pinard, le procureur impérial, qui a raté de peu Gustave Flaubert et son subversif Madame Bovary, mais qui a eu quand même un petit peu de Baudelaire en empêchant la parution de certains de ses poèmes des Fleurs du Mal. Ernest Pinard, tu es mon mentor aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on est un accusateur, on goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'un prestigieux jury, à voir de minute en minute les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, des larmes, des soupirs, l'innocente pudeur d'âme qui ont peine à rendre les armes, à vaincre les scrupules d'équité dont vous vous faites un honneur et vous menez doucement là où on veut vous mener. Mais lorsqu'on a obtenu l'accusation, qui est encore plus délicieuse lorsqu'elle est injuste, lorsqu'on a obtenu cette accusation, on s'endort dans la tranquillité d'une telle condamnation. À moins qu'un nouveau procès se présente à nos désirs et fasse que nous ayons à nouveau envie de nous replonger dans une accusation, peut-être même sordide. De mon côté, quand j'ai cette condamnation, je me dis qu'il n'y a plus rien à dire, rien à souhaiter, et que tout le beau de la passion de requérir est fini. Mais
lorsqu'un nouveau procès se présente, je ressens en moi l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Je me sens un cœur à requérir contre toutes les muses de la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes accusatoires. Malheureusement, ce soir, il y a peu d'espoir. Il y a peu d'espoir parce que j'ai essayé de recadrer, de recycler l'accusation. Mais, la donne a été établie par la Fédération d'emblée, c'est le procès de la Muse. Alors vous allez dire, probablement, qu'on ne peut pas condamner la Muse. Je sens bien, cher jury, que vous allez être bouchés comme des salières de cantine aux arguments que je développe. Je sens bien que vouloir vous convaincre, c'est comme essayer de convaincre un taureau qui est en train d'honorer une vachette qu'il ferait mieux d'aller acheter les œuvres complètes de Bernard-Henri Lévy. Je n'y arriverai pas. Mais franchement, ces musettes dont je vous ai parlé, celles-là, au passage, vous pouvez les condamner. Elles sont inutiles. Elles n'ont plus lieu de continuer à prospérer. Il me faut maintenant requérir. Il me faut requérir. Et même si je pense que vous ne me suivrez pas, ma mission est de le faire, et de le faire de façon juste. Voyez-vous, mon âme n'est pas à ce point méchante qu'elle ne fasse pas la part des choses. Je vais vous demander donc de condamner cette bande de sauterelles viles et inutiles, ça vous l'aurez compris. Je vais vous demander aussi de condamner les abuseurs de muses. Pas de double peine pour les muses. Muses sacrifiées, muses abusées. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens de également condamner le concept de la muse. Il a été rappelé que nous ne sommes rien, que la première des sagesses pour un homme, c'est d'accepter de n'être rien. Et nous nous formons en accumulant les inspirations. Vouloir priver l'homme de l'inspiration, c'est vouloir le priver de toute chance de grandir. Cela n'a pas de sens. Maintenant, vous allez entendre l'avocat de la Défense. Alors, l'avocat de la Défense, si vous voulez échapper, avoir une chance d'échapper à ce tsunami d'éloquence qui va s'abattre sur vous, il y a un moyen emprunté à Ulysse. Souvenez-vous, Madame le Président. Ulysse. Qui voulait sauver ses compagnons de voyage, les marins. Il avait trouvé une solution bien simple. Cette solution, vieille comme le monde, c'est le persil. Je vais vous remettre, Madame la Présidente, ce bouquet de persil. Je vais vous demander de détacher une petite branche de persil pour chacun des membres du jury. Je vous invite à positionner cette petite branche de persil dans votre conduit auditif. Observez Jean-Yves Le Borgne. Vous verrez sa prestance. Vous verrez ses lèvres bouger. Ça suffit largement. Vous verrez, c'est l'homme dans toute sa magnificence. C'est bien assez. Mais vous garderez intacte votre capacité de juger. Vous ne vous laisserez pas pervertir par les arguments de celui-ci. Bon, je vous ai dit que ce n'est pas tant son argumentation qui va vous convaincre, mais c'est de façon extraordinaire de vous emmener là où il veut vous emmener. Ne vous laissez pas faire. C'est important de faire cela. Alors, je vous adjure, Madame le Président, acceptez ce bouquet de persil et faites en sorte que les jurés ne négligent pas cette petite branche que vous allez donner à chacun d'entre eux.
Pour conclure ce procès, j'appelle maintenant à la parole l'avocat de la défense, maître Jean-Yves Leborgne. Faut-il à ce point être convaincu qu'on défend la mauvaise thèse, que l'on distribue de quoi assourdir ceux qui vont la juger ? Il est clair que mon contradicteur se sait perdu d'avance et qu'au fond, se réfugiant dans la verdeur, dans tous les sens du terme, il distribue du persil au jury en espérant ainsi que les arguments ne parviennent pas jusqu'à lui. Sans compter cet envoi de fleurs étouffant dont j'ai fait l'objet et qui me rappelle un vieux mot que j'aime beaucoup, cette exquise courtoisie qui ne présage de rien de bon. En réalité, en venant ici, j'imaginais que nous parlerions des muses et de l'inspiration. Point du tout. J'ai entendu diverses prises de parole, qui d'ailleurs se sont précisées avec les réquisitions finales, qui étaient une sorte de lamentation, voire de l'autre côté, d'une présentation laudative de ces malheureuses femmes qui, au cours de l'histoire, ont accompagné des hommes de talent. Qu'est-ce encore que cet égarement dans un féminisme à la mode ? Et puis, ces compagnes des artistes ainsi désignées étaient-elles vraiment des muses ? N'étaient-elles pas plutôt quelques égéries ? Quelques compagnes qui, de temps à autre, faisaient admettre que l'inspiration manquait, à défaut de la produire elle-même. Est-ce cela qu'on appelle une muse ? Une égérie, peut-être, mais je n'en suis pas sûr. J'ai trouvé que nous étions tragiquement dans l'ordre de l'histoire, dans le prosaïsme de l'ici-bas, et que la notion de muse avait complètement perdu ce qu'elle était au fond. Un certain nombre ont évoqué les muses, dont les noms sont évidemment si compliqués que je ne m'en souviens pas. Il en est une, semble-t-il, qui vous a inspiré, celle qui vous faisait sonner le glas sous votre robe de bronze. Passons sur cette inspiration-là. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très artistique. Mais la vraie question est de savoir ce qu'est une muse. Et si l'on en a parlé, je n'ai pas le sentiment un seul instant que ça a été le cas. Pour moi, la muse, c'est ce qui représente, ce qui incarne l'inspiration. Car l'inspiration, ce n'est pas quelque chose que l'on a dans sa poche, dans sa main, comme ça, à disposition. Que l'on soit sculpteur, peintre, écrivain, artiste, de quelque manière que ce soit, ce qui fait de temps en temps défaut, c'est la puissance créatrice, c'est la capacité de donner quelque chose, de sortir quelque chose de soi-même. Et là, peut-être, l'invocation des muses prend sa signification. Lorsque celui qui voudrait être un créateur s'aperçoit que la puissance lui manque, s'aperçoit qu'il ne sait pas que dire, que faire, que créer, alors il prie. Il prie, il se tourne vers ce ciel qui peut-être va lui inspirer quelque chose. Et parce qu'il faut que, entre l'homme et Dieu, il y ait parfois quelques relais. En matière de création, on appelle ça la muse. Les muses ont beaucoup menti, ou les auteurs qui les ont évoquées ont menti pour elles.
je ne suis pas bien sûr qu'Homère ait véritablement entendu Calliope lui raconter les circonvolutions des voyages d'Ulysse, mais peu importe que cela soit vrai ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'on sache ce que c'est qu'une muse. Et aujourd'hui, on vous a parlé quoi ? Des abuseurs de muses. Nous avons, mesdames et messieurs, les pieds dans MeToo. Vous l'avez dit d'ailleurs. C'est un peu lamentable. Ce n'est pas véritablement le sujet. Que des femmes aient été dans l'ombre des hommes, peut-être dans certains cas, qu'il faille, vous le disiez, madame, au début de notre propos, que les femmes prennent toute leur place. Soit, j'y souscris, mais c'est un combat de l'histoire, c'est une situation de la conjoncture, c'est au fond un peu de la politique. Mais en réalité, cela n'a rien à voir avec l'inspiration des artistes. Nous la cherchons quand on veut créer, nous la cherchons dans les cieux, nous essayons de trouver un relais, nous nous tournons vers la muse et nous lui demandons « Donne-moi quelque chose, que quelque chose de ta puissance me traverse pour que la création survive. » Ça, c'est parler de muse. Mais sinon, les abuseurs de muse, qu'on les condamne, je veux bien, mais est-ce bien notre sujet ? Il y a, dans celle qu'on a évoquée, une sorte d'extinction de la personne, une sorte d'étouffement. Les uns et les autres, vous l'avez dit, vous pour dire que c'était un crime, vous pour dire qu'au fond, c'était une harmonie merveilleuse, mais en réalité, y avait-il dans tout cela quelque chose qui concerna le cœur du sujet ? Car le cœur du sujet, à mes yeux, c'est l'inspiration. Il y a dans la création une hypothèse que l'on pose, c'est qu'au fond, tout ce qui est artistique ne vienne que de l'homme. Une sorte d'horizontalité au niveau de notre monde, que rien dans ce qui est créé, ne viennent d'ailleurs que de soi. Ah, quelle impudence, quelle arrogance, quelle extraordinaire fierté de soi-même. Il y a peut-être, ne le croyez-vous pas, de temps en temps, un souffle. Oh, les poètes l'appellent divin, peu importe ce que ceux qui ne croient pas en Dieu croient au moins en l'inspiration, en ce souffle qui nous enthousiasme, c'est d'ailleurs le cœur du mot, qui nous fait retirer de nous-mêmes ce que nous ignorions qui était caché. Il y a parfois des mots qui sont des mots de génie, qui surgissent d'une plume qui n'a pas plus de mérite que celle d'un autre, mais on voit celui qui a été choisi, disons, par le destin pour porter un message à l'humanité. Il y a des mots qui sont en dehors de la capacité humaine. Tenez, le désespoir. Et la mort, à mes yeux, étouffant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa liberté. Il y a, à travers un certain nombre de grands mots, des inspirations dont on n'est pas tout à fait sûr qu'il soit imputable à l'homme. Lorsque Vigny écrivait « J'ai mis sur le cimier doré du gentilhomme une plume de fer qui n'est pas sans beauté. J'ai fait illustre un nom qu'on m'a transmis sans gloire. Qu'il soit ancien, qu'importe, il n'aura de mémoire que du seul moment où mon front l'a porté. Peut-on, à un moment quelconque, imaginer l'orgueil manifesté d'une façon plus claire, plus immédiate. Je crois, pour ma part, qu'il y a dans la création artistique un je ne sais quoi de correspondance avec un autre monde, et que la muse est le symbole, est l'incarnation de ce passage entre cet au-delà insaisissable et le monde hic et nunc que nous habitons. Il y a nécessairement
un moment où les choses se matérialisent, où elles s'inscrivent dans l'histoire, où elles se marquent dans le temps, et l'on sent souvent qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles viennent de plus loin, et qu'il y faut une explication. Oh, pas une explication exhaustive, on serait bien incapable de l'apporter, mais quelque chose qui veuille signifier cette part d'exception qui de temps en temps se glisse dans l'homme, ce je ne sais quoi de souffle qui fait que l'on est plus que soi-même. Il n'y a pas de hiérarchie d'un individu à l'autre, il y a de temps en temps un choix injuste qui fait de l'un d'entre nous un messager. Alors, condamnez si vous le voulez les abuseurs de muses, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet était de savoir si les muses sont utiles, si les muses sont heureuses, si les muses doivent être honorées. Et les muses, mesdames et messieurs, c'est ce qui nous relie à l'au-delà, c'est ce qui fait le transport de l'extraordinaire jusqu'à nous. Et vous ne pourrez pas condamner ce message, condamner ce passage, condamner cette capacité que nous avons de temps en temps d'être divins. L'accusation est une sorte de fierté humaine qui confine au sacrilège. La muse, c'est cette part en nous qu'il y a de Dieu.